Laborieux. Oui. Un peu ? Très laborieux. Alors, personnellement, entrer dans l'éducation nationale, deux enfants en bas âge, burn-out, crush sur quelqu'un d'autre, et du coup, grosse discussion qui termine par mon chéri qui me dit « Est-ce que tu m'aimes toujours ?» Je lui réponds « Oui. Est-ce que tu veux continuer avec moi ?» Je lui réponds « Oui. » Et il me dit « Bah alors, va juste ce que t'as à dire. » Ça, c'est le tout début du tout début du tout début. Ça a l'air simple, dit comme ça. Des fois bien, des fois moins. Principalement pour les mêmes raisons qu'une colocation traditionnelle en fait. L'intimité, le bruit, les différents modes de vie, les... L'organisation. La fatigue de la journée, de boulot, qui fait que le soir t'es pas social, enfin tout ça. L'amour. Alors là, on parle de l'amour passionnel avec des relations sexuelles, tout ça, mais l'amour, si je prends mes deux filles, je les aime toutes les deux autant, pourtant elles sont deux. Si je prends mes frères et sœurs, je les aime, pourtant ils sont pleins. Les parents, etc. Donc, Parler pour nous deux, mais je pense que oui, bien sûr, il y a toujours un moment où ça vient piquer, ça vient gratter, la jalousie, etc. Mais après, on a fait des choix, et je décide de les assumer aussi, quoi, à un moment ou à un autre. Moi, personne ne m'a forcé. On m'a dit la situation, elle est telle. Ça te convient, c'est cool. Ça te convient pas, ok, on fait pas. Par exemple, si je prends ma relation avec Samantha, donc ma métamorphose, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des moments où j'avais pas envie de la voir. Je pouvais pas la voir, elle me sortait par les yeux parce que j'étais pas bien, parce que j'avais besoin de Sylvain, parce que moi j'avais pas d'autres relations et j'avais besoin qu'il soit là, parce que, etc. Donc il y a plein de moments qui sont très différents, il y a plein d'avancées. Là, aujourd'hui, on habite ensemble, on arrive à parler à nos métamorphoses amoureux, on arrive à tout ça. Les premières années, il y avait plein de choses. Il y a eu des moments où on disait qu'il fallait un sas entre... voilà, tu reviens de chez ton amoureux ou chez ton amoureuse, en fait, va faire un tour, va boire un verre, moi, je veux pas te voir dans l'heure qui suit, quoi. Le concept de ce genre de relation, c'est vraiment d'être à l'écoute les uns des autres et d'être capable de dire nos faiblesses quand ça va pas, quand ça... Voilà. Nous, on se disait qu'on passe énormément de temps ensemble. Par exemple, pour lui, c'est très compliqué d'être seul la nuit. Pour nous qui avons 12 ans de vie commune, c'est pas forcément quelque chose qui est clé pour nous de dormir ensemble la nuit.